Cause you say it's the end and playing games again. I found Bienvenue sur ma chaîne Beach Paradise. J'espère vraiment que vous avez tous et toute la pêche. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et avant toute chose, je tenais vraiment à vous souhaiter une très très bonne année 2018. Je suis trop contente d'enfin revenir. Ça va être une année encore à partager avec vous. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, la santé, l'argent, la réussite. J'espère sincèrement que vos rêves les plus chers se réaliseront, que vous serez heureux et épanouis dans votre vie, c'est le plus important. Et voilà, que vous serez auprès de vos proches, de vos amis, de votre famille, etc. C'est vraiment le plus important. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo après quelques temps d'absence parce que c'était les vacances de Noël, donc les vacances en famille. On se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne qui sera les vidéos cadeaux de Noël, puisque je n'ai absolument jamais fait ça pour plusieurs raisons. Auparavant, mon avis n'était absolument pas le même qu'aujourd'hui, et donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, parce que mon avis a changé. Et donc voilà, ne voyez absolument pas ça comme de la vantardise ou comme de l'étalage de cadeaux ou quoi que ce soit. Le plus important à Noël, c'est de profiter de ses proches, et je peux vous dire que vraiment je sais pourquoi je dis ça. Et voilà, c'est très important de profiter de ses proches parce que on sait pas de quoi la vie est faite. Je n'ai vraiment précisé que Noël, c'est vraiment une fête familiale avec lequel il faut profiter de ses proches, et ce n'est pas une fête pour les cadeaux. Voilà, c'est très important de le rappeler. Et voilà, donc vous ne voyez vraiment pas du tout ça comme de l'étalage ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout mon but. Si vous pensez ça, vous êtes libre de penser, mais dans ce cas là je préfère que vous quittiez la vidéo parce que c'est pas mes intentions. Donc voilà, du coup j'espère sincèrement que vous avez passé de bonnes fêtes, donc pour Noël si vous le fêtez, et sinon un bon réveillon de l'an et un bon jour de l'an, simplement parce que c'était vraiment trop trop bien cette année pour moi en tout cas, et j'espère que vous aussi. Donc voilà, d'ailleurs faut aussi savoir que je suis née le 3 décembre, d'ailleurs je vous remercie pour tous vos messages, c'était juste adorable. Donc voilà, et il y a eu pas mal de cadeaux qui ont été du coup que j'ai eu pour mon anniversaire, que je vous ai pas montré dans cette vidéo parce que là c'est vraiment mes cadeaux de Noël. Mais n'hésitez pas à mettre un like si vous voulez une vidéo mes cadeaux d'anniversaire, pourquoi pas, parce que du coup j'ai fêté avec mes amis, donc voilà, c'était vraiment une trop bonne journée d'ailleurs. Bref, voilà, et du coup j'ai eu vraiment un très gros cadeau qui fait aussi également partie de mes cadeaux de Noël, parce que c'est vraiment un cadeau énorme, et genre voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc voilà, c'est l'iPhone X, l'iPhone 10 comme vous voulez. Genre en fait j'avais l'iPhone 6, je pense que vous le savez. Je m'attendais tellement pas à ça en fait, genre je le voulais vraiment parce que comme tout le monde je pense le voulait, mais je m'attendais vraiment pas à l'avoir, et j'étais tellement heureuse, vous pouvez pas savoir, je suis toujours vraiment extrêmement heureuse. Donc voilà, c'est mon nouveau bébé, genre vraiment j'y fais tellement attention. Du coup n'hésitez pas à me dire si vous voulez un What's on my phone, mais vraiment je remercie infiniment mes parents parce que c'était genre vraiment une trop belle surprise, j'étais absolument trop heureuse, je le suis vraiment toujours, et waouh quoi, vraiment je suis trop 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 contente. Ensuite toujours de la part de mes parents, j'ai vraiment été beaucoup gâtée, donc je remercie infiniment. J'ai reçu un pyjama de chez Undies, donc j'ai reçu également avec un haut, mais le haut est au sale, donc un pyjama comme ça, genre vraiment trop trop agréable. Donc voilà, il est gris tout simple, un petit peu c'est pas un legging, mais genre c'est assez ample comme matière, mais en même temps genre hyper agréable à porter vraiment, avec un pull rose, vieux rose un peu, et vraiment trop trop agréable, je le mets tout le temps et je l'aime vraiment énormément. Ensuite j'ai eu une ceinture et j'étais trop contente parce que je l'ai mis dans ma wishlist, donc c'est une ceinture mango trop trop belle avec une boucle juste ici, un peu western mais vraiment trop sympa, avec plein de petits détails tout au long de la ceinture en fait, et genre c'est vraiment trop beau avec un jean. C'est mais vraiment pépite, donc je suis trop contente. Ensuite toujours dans ma wishlist, je vous avais mis donc plein de petits accessoires de chez Mango, et notamment ce sac que je trouve genre vraiment trop trop beau, c'est complètement mon style, donc j'adore déjà cette forme de sac. C'est super pratique pour aller en ville, ça prend pas beaucoup de place, on peut quand même mettre des choses dans notre sac et c'est vraiment pratique. D'ailleurs j'en ai déjà un de chez Zara en cuir, vraiment trop trop beau, mais celui-ci avec les détails à fleurs comme ça, je le trouvais vraiment magnifique. Je sais pas s'il est encore disponible parce que je sais que c'est une édition limitée, mais vraiment je suis trop contente et je remercie encore une fois beaucoup mes parents parce qu'il est magnifique. Enfin, on continue un petit peu dans tout ce qui est vêtements, et notamment quelque chose que j'avais mis dans ma wishlist, dont je suis trop contente. Donc c'est un jean à Zara avec les bandes rouges que je voulais tellement, sauf qu'il était vraiment pas donné, et franchement je le voulais mais plus que tout, et genre j'étais trop trop contente. Donc voilà,
Depuis que je le mets tout le temps. Donc voilà, je l'aime vraiment énormément. Avec la ceinture mango, ça fait juste un style, mais j'adore. Vraiment, je suis amoureuse. Donc franchement, je peux vous dire, ça va mettre plein de photos sur Instagram avec ce petit jean, parce que il est vraiment trop beau. Et je trouve qu'on peut vraiment faire des looks super bien avec. Donc j'aime beaucoup. Encore et toujours de la part de mes parents, j'ai reçu une trousse Zoeva. Donc la trousse, encore une fois, que j'avais mis dans ma wishlist. Donc une trousse de pinceau. Il me semble que c'est le Luxury Gold Edition. Et genre, en fait, il y a plein de pinceaux. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'ils sont un peu sages. Je les ai utilisés pour me maquiller pour le nouvel an. Et vraiment, ils sont mais trop bien. Déjà, ils sont vraiment magnifiques, je pense qu'on peut voir. Et en plus de ça, vraiment, les poils sont super doux. Ils sont super faciles pour se maquiller. Vraiment, c'est par exemple les pinceaux pour les yeux. Je trouve qu'ils sont vraiment trop bien. Ils estompent vraiment bien les matières, etc. Et voilà, vraiment, je les aime beaucoup. Je remercie encore une fois beaucoup mes parents parce que ce kit n'est vraiment pas donné. Et c'est vraiment mes premiers vrais pinceaux, on va dire, de qualité. Et je suis trop contente. Énorme surprise vraiment, et j'étais tellement heureuse. Donc de la part de mes parents, encore une fois, de la marque Pandora, j'ai eu d'abord la boîte à bijoux trop belle, et donc mon premier bijou Pandora confectionné par ma mère. Et je pense qu'on pouvait pas mieux choisir un bijou, parce que vraiment il est magnifique, il me plaît vraiment à 100%, vraiment je le trouve magnifique. Donc je ne sais absolument pas le nom de ce bracelet, mais il se présente comme ceci. C'est un bracelet souple, et en fait il y a une perle. Je vous ferai un zoom, mais vraiment il est magnifique. Comme si cela ne suffisait pas, mes parents ont aussi décidé de m'acheter en bijouterie un bracelet magnifique. Donc déjà, il faut savoir que le Pandora, il y a une perle argentée, et sur les côtés il y a deux petits encadrements rose gold. Donc j'adore le rose gold, et là on m'a offert pour aller avec, donc de bijouterie, un bijou comme ça, rose gold, un jonc. Donc c'est la première fois que j'ai un jonc, déjà je trouve ça trop beau. Et en plus de ça, c'est vraiment parfaitement assorti, parce qu'il y a des sortes de petits strass à l'intérieur argent. Donc comment vous dire que l'ensemble, c'est juste canon, vraiment. Je remercie beaucoup mes parents, parce qu'en plus c'est des bijoux vraiment de qualité et tout. Donc je pense que c'est vraiment la première fois que j'ai vraiment des bijoux aussi qualitatifs. Et Pandora, vraiment, on n'a vraiment pas rigolé quoi. J'étais vraiment tellement heureuse. Donc merci beaucoup à mes parents. Et genre, c'est vraiment trop beau. Moi qui suis super féminine et tout, j'adore les bijoux. C'est trop beau. Là, c'est des bijoux rose gold argent. Tout ce que j'aime. Donc vraiment, merci beaucoup. Niveau make-up, j'ai eu 3 choses. Et donc 2 choses où j'étais absolument pas au courant. C'était vraiment des surprises. Et ça m'a fait trop plaisir. Donc première chose, donc ça, j'étais au courant. C'était un coffret que j'avais mis encore une fois dans ma wishlist de chez Too Faced. Donc c'est le best year ever. Et en fait, comme chaque année, Too Faced fait un peu des coffrets édition Noël. Du coup, cette année, c'était une sorte de petite trousse comme ceci, avec marqué Don't let today be a waste of makeup. Et à l'intérieur, en fait, vous avez une palette plus un agenda. Donc c'est vraiment trop bien. La palette et l'agenda. Donc l'agenda, encore une fois, avec la même phrase. Et il est vraiment magnifique à l'intérieur. Je sais pas si on verra, mais genre, c'est vraiment trop beau, vraiment. J'adore. Et donc la palette, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment trop belle. Donc il y a plein de couleurs, et à l'intérieur notamment un highlighter, un blush, un bronzer, sinon plein de fards à paupières. Vraiment j'adore. J'ai utilisé ma palette pour faire mon make-up du nouvel an, et c'était vraiment trop beau. Donc voilà, et à l'intérieur il y avait 2 miniatures comme chaque année dans les coffrets Too Faced. Donc le Better Than Sex, le petit mascara, et un Melted Matte. Donc c'est le Sell Out, donc une teinte un peu nude et tout, trop beau. De la part de MAC, j'ai reçu un petit lip duo comme ceci, que j'ai reçu parfaitement pour Noël. Donc ça fait vraiment pour moi partie de mes cadeaux de Noël. Donc j'ai reçu le crayon à lèvres et le rouge à lèvres Ruby Woo. Donc le rouge à lèvres en raisin comme ceci, que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Pour moi, le rouge, c'est vraiment une couleur qui est magnifique, simple, basique, mais qui fait son effet tout simplement. Et le crayon à lèvres, il est juste super, vraiment le duo, j'adore. Franchement, les produits sont top, et pour faire un cadeau à votre maman, votre copine, votre meilleure amie, comme vous voulez, votre soeur, vraiment c'est un super cadeau pour un anniversaire par exemple. C'est vraiment top, et les produits sont vraiment géniaux. Ouais. Et donc les 2 surprises make-up que ma mère m'a faites, j'étais vraiment tellement contente. Donc premièrement, c'est ce kit comme ceci de chez Benefit, les Soft and Natural Brows. Donc ma mère sait personnellement que j'adore, et que je fais vraiment très attention à mes sourcils. J'adore ça, enfin j'adore les faire, etc. Et là c'est vraiment le kit parfait pour pouvoir faire ses sourcils. Donc premièrement, il y a le Highbrow. Donc c'est un sorte de crayon pour illuminer le dessous du sourcil. C'est vraiment trop bien. Ensuite, il y a vraiment mon crayon préféré. Je suis trop contente de l'avoir découvert, parce que je ne connaissais pas du tout ce produit. Je n'arrive pas à l'attraper, c'est super. C'est un produit de chez Benefit dont j'avais quand même pas mal entendu parler, mais je connaissais vraiment que de nom, j'avais jamais testé. Donc c'est le Goof Proof
Brow Pencil et vraiment il est trop trop bien. Personnellement j'ai la teinte 6 et c'est parfait vu que j'ai vraiment les sourcils très foncés et il est vraiment trop trop bien. Et ensuite encore une fois un produit que j'ai découvert et que j'adore, c'est le Ready Set Brow. Donc c'est un gel à sourcils vraiment tout simple, tout basique qui fixe, mais c'est vraiment que ce qu'on demande. Et après il y avait ce petit instrument. Je vous avoue, je sais vraiment pas à quoi ça sert, mais il y a des pochoirs en dessous, je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais bon, bref, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je ne sais vraiment pas à quoi sert ce petit truc. Donc voilà, déjà que j'adore les surprises, vraiment. Mais alors là, j'étais trop contente de recevoir ça, donc merci beaucoup. Et autre surprise, toujours de la part de mes parents, et particulièrement de ma mère, niveau make-up, c'était ça. Donc une genre de petit coffret boule comme ça de la marque, encore une fois, Benefit. Et donc à l'intérieur, il y a plein de produits. Je suis genre trop contente parce que c'est que des produits que j'avais envie de tester. Donc je vais pas réussir à l'ouvrir, ça va être super. Voilà, donc c'est une boule comme ceci qui se présente avec 4 produits à l'intérieur. Donc premièrement en full size de Oula de chez Benefit, donc un bronzer que j'avais vraiment trop trop envie de tester. Je l'avais déjà eu en miniature mais déjà que je l'aimais beaucoup, j'avais vraiment envie d'avoir en grand et là je suis comblée. Donc voilà, vraiment ça, je suis trop trop contente. Ensuite j'ai eu le même petit eyebrow que j'avais eu dans le kit juste avant pour sourcils, mais bon vu que j'aime beaucoup ça ne me dérange absolument pas. Ensuite je vais pouvoir enfin tester l'highlighter Eye Beam de chez Benefit parce que j'en entends parler vraiment depuis super longtemps. J'ai déjà le Positine, il me semble que c'est ça pour les joues là, ou le Benetine, je sais plus, mais vraiment j'avais trop envie de tester l'highlighter, donc je suis vraiment très contente. Pour finir, il y a également en full size le Dareal, donc je suis trop trop contente parce que j'adore ce mascara. C'est un de mes mascaras préférés de plus, comment dire, de prix un peu plus haut. Et voilà, je suis trop trop contente parce que vraiment j'avais testé au début quand je me maquillais et je l'ai toujours aimé, mais voilà, je suis trop contente de pouvoir enfin le retester et j'en suis trop contente. Ensuite, de la part de Louis, que je remercie beaucoup s'il passe par là, j'ai reçu un t-shirt Fila comme ceci, donc un t-shirt Fila gris avec marqué Fila en blanc, donc un peu dans le même style que j'avais mis dans ma wishlist. Donc franchement on adore, en bambe, il est vraiment trop trop beau. Ça rentre dans un jean avec des baskets cet été, ça va être parfait. Donc voilà, merci beaucoup. Ensuite, de la part d'Anaël LPB, j'ai reçu 3 cadeaux, donc merci beaucoup. Premièrement j'ai reçu un beauty book de Sananas, donc c'est ma youtubeuse préférée, c'est pour ça qu'elle me l'a offert. Et du coup à l'intérieur c'est un carnet simplement, mais parfois il y a des petits conseils en fait partout dans le livre et c'est vraiment trop cool. En même temps ça fait un carnet et on sait que les youtubeuses adorent les carnets, et en plus de ça il y a les conseils de ma youtubeuse préférée dedans, donc franchement c'est top. En plus de ça, franchement, petite référence à la Beauty Paradise Family, elle m'a offert un baume à lèvres à la pêche pour qu'on garde la pêche tous ensemble. Donc voilà, qui sent trop bon. Donc c'est un baume à lèvres Tony Moly, si je dis pas de bêtises. Il me semble, oui c'est ça. Et il sent genre juste trop bon. Et du coup, ça m'oblige à garder la pêche toute la journée. Donc c'est top. Et pour finir, donc quelque chose que j'avais également mis dans ma wishlist, j'ai eu le gloss Fenty Beauty. Donc j'étais genre tellement tellement contente, je le remercie infiniment. Il sent tellement bon, je l'ai mis aujourd'hui mais peut-être qu'il est un petit peu parti parce que j'ai mangé, j'ai bu, etc. Il sent trop bon et vraiment il est trop trop agréable, je vous jure, vraiment il est... En fait il se sent pas, mais en même temps il hydrate les lèvres et tout, enfin vraiment je l'adore et l'odeur est genre juste trop trop agréable, vraiment. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu pour Noël. J'espère vraiment que vous avez aimé voir un petit peu tout ce que j'ai reçu à Noël. Je remercie vraiment infiniment toutes les personnes qui m'ont fait des cadeaux parce que c'était adorable, fallait vraiment pas, merci beaucoup. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et commenter si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, c'est simple, ça vous permet d'être informé de mes prochaines vidéos, donc franchement c'est top. Et en plus de ça on s'agrandit de plus en plus. Donc merci beaucoup, vraiment la Beauty Paradise Family en bombe. Donc voilà, j'espère vraiment garder la pêche jusqu'à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous, bye.